Entrepreneurs, assureurs, acteurs du secteur informel, tous ont pris part au lancement du Salon africain des assurances tenu le jeudi 14 mars à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, créer un lien de proximité entre les assureurs et le secteur informel. Les assurances, c'est pour tout le monde. Donc la plateforme est ouverte pour qu'on pose des questions, pour qu'on échange, pour qu'ensemble on trouve des solutions pour couvrir tous ceux qui sont du secteur informel. De manière générale, en Côte d'Ivoire, les assurances peinent à trouver preneurs. On veut pour preuve le taux de pénétration de ces dernières, qui est de 1,7%. Donc l'idée, c'est parce que la population ou les institutions ou les associations ou tous ceux qui sont susceptibles de prendre des assurances n'ont pas l'information. Et comme je le dis, il y a un impact économique parce que quand le taux est élevé, les banques mobilisent toujours des ressources, mais en même temps, un individu qui est assuré, c'est une économie stable puisqu'il est stable pour son économie. Les 14 et 15 juin prochains, la Questab au plateau sera le théâtre de panels et de partage d'expériences à l'occasion de cette nouvelle édition du Salon africain des assurances.